Et c'est parti mon kiki, traîne, pour le jeudi traîne 6 mois de cartes, Sea of Thieves, bien sûr. On est parti pour Sea of Thieves pour vous montrer. Je me suis procuré pendant les, il y a les soldes d'hiver, et j'ai acheté la toute nouvelle skin. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est Royal quelque chose. On va retourner voir à l'Emporium. Profitez-en, il y a 40% sur pas mal de choses. Parler à Earl. Examinez le stock de Earl. Salut Earl. Alors dans les soldes, vous allez voir ce qu'il y a dans les soldes. C'est pas mal de choses. Je vais pas acheter ça. J'ai acheté le petit chat naufragé. Trop mignon, de Tiadalma, anti-Adalma, déguisé anti-Adalma. L'ensemble de l'équipage de Serac Sparrow, je l'avais déjà. Je l'ai pas acheté en solde, je l'avais acheté prix plein, malheureusement. À l'époque. Les attitudes de Jack Sparrow aussi, je les avais déjà achetées. Donc, profitez-en, c'est 40% moins cher. Moi, je les avais payé prix plein aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant pour moi hein, c'est ce que moi, j'ai acheté. Alors, pour moi, ça, c'est pour moi une des plus belles skins. J'ai acheté aussi le Matin Mutin, le chien gardien des clés. J'ai hésité, mais je l'ai pris parce que je trouvais qu'il était mignon quand même. La mort de Saint-Bernard. Collection de la Vengeance Royale. Ah ouais, alors là, il est magnifique. Alors j'ai acheté les canons. La barre. La barre, je l'avais déjà acheté, je pense. J'ai acheté ce science. Non, je ne l'ai pas acheté celui-là. J'avais acheté la coque parce qu'elle m'a semblé déjà une des plus belles coques du jeu. Et j'avais acheté la barre. J'avais déjà acheté ceci avant. La barre, je trouve magnifique aussi. Et je viens d'acheter en solde les canons. Le cabestan. Alors j'ai acheté les deux trucs de collection. La figure de proue est magnifique. Vous allez voir. Et les voiles. La voile de la vengeance du collectionneur. On va voir ce que ça donne. J'arrive pas à retenir le nom. Vengeance royale, c'est ça? Vengeance royale. Hein. Pas retenir le nom du truc. Navire de la vengeance royale. Ok, vengeance royale. On va essayer de retenir ça. Maintenant, on va aller voir le bateau. Je l'ai tout équipé déjà. On voit ce que ça donne. Alors, ça vous dit quoi, les gars? Ça vous dit quoi? Pas trop stylé, ça? C'est pas stylé? Alors, le cabestan. Regardez avec la petite flamme, la coupe en flamme. Trop bien. La barre. Magnifique. Les canons sont super. Il y a des squelettes qui tiennent. C'est trop bien fait. Un viseur et tout. Avec le truc, on peut viser avec le squelette au-dessus, peut-être. Ils sont trop bien, je trouve. Et alors, le dernier truc important, la voile de la Vengeance Royale collectionneur. Je crois que c'est autour de 500 pièces au lieu de 900, comme ça. Alors, regardez ça, la figure de proue. Figure de proue. Elle est pas belle la figure là. Regardez avec des petits squelettes sur le côté. Petits squelettes avec les yeux en feu. Ah ça c'est deux jours, alors je vous laisse imaginer de nuit ce que ça doit donner. C'est trop beau, non? Alors j'aime bien moi, tout ce qui est dans les dorures et tout ça. Un peu bling bling. Mais je trouve que ce bateau est trop bien. Enfin ce look. Je sais pas ce que vous en pensez. On va voir ce qu'il donne en mer. Voilà, il y a les voiles. Ah bon, on a le vent. Fantastique. Ah, ça vous dit quoi, les amis? C'est pas le bonheur de voyager comme ça? Ah, faites-vous plaisir, hein, c'est les fêtes, c'est fin d'année. Profitez-en, vraiment, j'ai pas d'action chez Erard, hein, et j'achète pas souvent des trucs. Mais là, vraiment, alors c'est pas tout. J'ai acheté des familiers aussi. J'ai acheté le petit chat de Tiadalma. Genre... Ah, je l'ai pas renommé encore lui. Je le trouvais trop mignon. Regardez. Attendez, on va le mettre là-bas. Ça va être mieux ici peut-être. On va lui faire en silence. Ouais! Il m'a la mesure!
Je vais voir l'autre que j'ai acheté. J'ai pas encore regardé en plus. Je viens juste de découvrir avec vous. Allez, je regrette pas le petit chat en tout cas. On va voir le gros. Matamutin. Ouais, oh, le Saint-Bernard, le gros tueux chien. Ouh, le gros tueux chien, on peut le mettre là ou pas? Ah non, il est trop gros. Il est trop gros lui. Il est sérieux lui, hein. Il rigole pas trop, hein. Regardez son visage, il est grave. Hein. Tiens, je vais te taper un rocher. Petit, manœuvre d'évitement, juste à temps. J'allais me taper un rocher, les gars. Je suis dans les mers calmes hein, pour faire cette vidéo, bien sûr, pas se faire tirer. Voilà. Yo mon gros toutou. Allez, viens. T'as pas envie de danser? Vas-y, danse, lui. Arnaque le pied déjà? Ah, lui, c'est le gros peignasse, quoi. C'est le gros peignasse, lui. On va le mettre là, peut-être. Bon, là, tu vas faire quelque chose ou pas? Lui, il se couche, lui. Il dort! Il dort! Il veut pas manger. Ok, c'est pas grave. Oh, je suis tombé à l'eau. J'ai eu un lag. Mais voilà, les amis. Mon bateau s'en va tout seul vers de nouvelles aventures. Bye bye. La vengeance royale disparaît à l'horizon. C'est ainsi que se termine cette aventure fantastique du sloop vers de nouvelles aventures. Une sirène. L'appel de la sirène est plus fort que tout. Je m'appelle Ulysse. Voilà, c'est bien. Mon chien n'est pas venu me sauver. Hein. Il est où, mon gros toutou? Attention, je vais aller à la bataille des batailles de bateaux. Là. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte les voiles? On n'a pas encore essayé les canons. On n'a pas un feu d'artifice là. Et regardez, j'ai du lag. Ah merde, ça va être compliqué. Ok. Time go. Oh, c'est beaucoup plus éclairant. Y'a rien de plus éclairant, c'est pas joli. Bon voilà, c'est plus éclairant. Voilà les amis, c'était surtout pour vous montrer donc la barre, le cabestan. La coque, magnifique canon, la proue et la belle voile. J'espère que ça vous a plu. Avant que je me retrouve encore à terre, je vais vous montrer mon petit crabe. Trop mignon. Et ma mouette qui me chie chaque fois sur le pied. Je sais pas pourquoi. Elle aime bien. Oh, voilà. Je sais pas, elle aime bien de faire ça. On va terminer en mode tonneau. C'est moi qui suis dans le tonneau. Et à la prochaine, les amis. À bientôt. Ciao, ciao. Yo.